Paul C. Chartier en compagnie de... Jay-Z. Et on se retrouve pour l'épisode numéro... 17. C'est toi qui avais dit que c'était 17 tout à l'heure. Oui, mais je me suis trompé. Je te l'ai dit en plus. Ah ben, je t'ai pas écouté. Ah. Tu ne m'as pas écouté. Mais en tout cas, numéro 17 de Dragon Ball Z. Rageux. Budokai Tenkaichi 2. Bon, on s'en fout de toi. J'aime pas les rageux. Pas de boule de cristal. Non. On va tous les faire, hein, les points jaunes, de toute façon. Y a pas l'air d'y avoir des choses. Bon. Toi, tu regardes pas en arrière, en fait. Où ça, en arrière, là? Ah ouais! Je te le dis, toi, tu me dis, je le fais. Zeni. Au final, tu le fais jamais. Ah oui, d'accord, j'avais pas fait gaffe à ça, d'accord. Bah alors. Ah, super. Putain, grâce à toi, on a eu 10 000 zeni. Merci, mec. Mais c'est vrai que du coup, il y a des fois, on a dû louper des trucs, je pense. Donc là, c'est des combats. On va faire un petit combat pour se mettre bien. Ah, c'est Kaio, what? Qu'est-ce que Monsieur Kaio fait ici, mec? Tu vas faire un combat, un entraînement. Genre la planète Kaio, tu sais. Y'a rien, je peux aller jusque là, ok. Bon bah, faisons un combat! À moins que ce soit des blagues de merde. Un slug! Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah, let's go, alors. Slug millionnaire! Ah, sur la banquise en bio. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ta mère. C'était sûr, ça. Hey, je me demandais pas pourquoi je l'ai fait, je le savais qu'il allait faire ça. C'est un spammer, mec. Il va tellement mourir. Oui. Mais non, il est tellement... Mais charge maximum pour faire Rayon Digital. Fils de pute. Le gars, il vient sur moi, mais... Bon, ok. Là, tu m'as trop énervé. Ah, mais il est naze. Il est naze. Mais mec, il résiste alors qu'il sait très bien qu'il va canner, tu sais. Le sport fait libre. Bon, puisque c'est comme ça. Putain, le mec. Le mec, il est jusqu'à la fin, tu sais. Mais enfin, c'était marrant. Il m'a bien diverti. Attaque plus 3. Si pas mal, attaque plus 3. Et on a eu un vitesse plus 4 tout à l'heure, je crois. Bon, allez. C'est bien, on gagne des petits trucs comme ça. Ah oui, il y a un autre truc qu'il faut que je pense. C'est quand je suis au bout de la map, je dois aller par la mer, ça ira beaucoup plus vite. C'est vrai que j'omets à chaque fois de faire ça. Ok. Presque aussitôt, Piccolo apparaît et s'allie à Sangohan contre Sauzer. Ah, c'est lui, Sauzer. Namek, Seiji. Gohan,
Arigato, Piccolo-san. Piccolo défie Sauzer et ordonne à Sangohan de porter le haricot sans sucre à Sangoku. On n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes. Pour ceux qui se demandent, haricots sans sucre, ça vient du let's play Dragon Ball Z, Goku Densetsu. On avait un délire parce qu'il y avait des... les haricots senzu, voilà, j'appelais ça les haricots sans sucre. Et il y avait des pains de viande qui ressemblaient tellement à un oignon qu'on a appelé ça des oignons. Voilà, mais c'était marrant. Chacun ses délires. Ah, j'avais pas oublié ce coup-là. Oh, c'était beau. J'aime les combats comme ça. Ah, c'est bien, ça varie les coups. Faut croire que tu vas gagner. C'était beau les amis. J'aime les combats comme ça. Presque imperfect, hein. Ouais, presque. Bon, en tout cas, j'ai fait des belles actions, tu vois. Et ça, c'est ce qui compte. Mais c'est bien, j'essaye de nouveaux coups, tu vois, et contrairement à avant. Piccolo se défend vaillamment contre Sauzer grâce à ses attaques stratégiques. Sauzer, omae wa kozo et... Freeze. C'est alors que Cooler lance une attaque surprise foudroyante contre Piccolo. Sauzer suit toujours Sangohan et découvre sa cachette secrète. D'accord. D'accord, j'y comprends. En fait, je comprends pas, il a lancé une attaque surprise alors Piccolo il était largement en level, hein. Mais bon. Des fois, c'est comme ça. Ah, Krillin. Cooler, il est fort à quel niveau? On peut le comparer à quoi? Bah Freezer, j'imagine. Donc c'est pas terrible en vrai. Enfin, c'est pas terrible. Est-ce que c'est un génie comme Freezer ou alors c'est juste un gars lambda qui s'entraîne? Comment ça, est-ce que c'est un génie? Parce que Freezer, c'est quand même un génie à ce niveau-là, au niveau... Un génie du combat, tu veux dire? Oui, voilà. Et ouais, tu veux dire que c'est... Il devient extrêmement fort. C'est inné, ouais. Voilà. Ou alors c'est pas du tout comme ça. J'en sais rien. Honnêtement, c'est extrait d'un film, alors... On peut pas trop faire attention, quoi. En tout cas, contre un Super Saiyan, bah voilà, il se fait niquer comme Freezer, je suppose. Oh, boule de cristal! Ça fait plaisir. Boule à 4 étoiles. Oh, bah la boule de Sangoku, justement. Celle de son grand-père, en tout cas. Pour ceux qui suivent l'anime et qui ont lu le manga, vous saurez de quoi je parle. Non, Cooler, bah ouais, Cooler, c'est le frère de... Ouais, c'est le frère de Freezer, je pense. Je sais pas s'il est au même niveau, non, je pense qu'il est plus faible. Tandis que Sangohan attend que le haricot fasse effet, un invité surprise fait irruption. Bon bah écoute, ça va être vite réglé. C'est parti. Combat à gagner. Ouais. En fait, non, c'est pas gagné d'avance. Nique ta mère. Mais il est con. Il sait que je suis derrière lui. Il reste là. Il est con. Oh, j'ai détruit le décor, mec. Sauzer. Ah, putain. Il est con, mais il est con, il réagit pas.
Merci, hein. Il est naze. Au début du combat, il m'a fait peur, mais... On pourrait limite jouer en mode 3, mais bon, 3, je pense que ce serait trop, quand même. Oh, ouais. Non, ça va, en fait. Voilà. Cavalerie lourde. Cavalerie lourde, ouais. Ça, c'est une attaque de... Je sais plus quel Pokémon. C'est le gros cheval, le cheval, là. C'est la dernière génération. Incapable de parer les coups féroces de Sauzer, nos compagnons attendent la mort. C'est le cheval qui ressemble à un personnage, un cheval de cartoon. Si tu veux. Soudain, le détecteur de Sauzer perçoit une énorme source d'énergie. Son Goku est-il enfin revenu à lui? Mais Vegeta, il est où dans tout ça, mec? Il est en vacances. Peut-être. Il est en vacances. Bah, en fait, je crois que Vegeta, il est... Non, je sais pas, en fait. Je crois qu'il est parti sur une autre planète à ce moment-là, mais... Enfin, en tout cas, au moment de Garlic Junior, mais pas à ce moment-là, enfin... Je sais pas, au moment de Couleur, vu que j'ai pas vu le film. Peut-être qu'il est en train de s'entraîner. Ouais. Mais il est con. Il devrait affronter Couleur, largement. Peut-être qu'il sait pas que Couleur est là. Ranimé par le Reiko sans... sans Goku, provoque Sauzer en duel. Qui sent moi? Non, j'ai... Couleur et Sauzer, quelqu'un peut-il rivaliser avec ces deux terribles adversaires? Bon là, il va falloir se transformer en Super Saiyan hein, quand même, parce que là ça va être un peu chaud. Je vais mourir. Non, je sais pas. Commence pas. Commence par venir, salaud. La couleur là, il est sur sa forme normale là. Ouais. La forme normale de couleur ressemble à la forme finale de Freezer. Bah. Fils de pute. Ok. Tranquille, hein. Oh le bâtard. Par contre, attaque à Hukum, ça fait zéro dégâts. Hein. Bon. Bon, bah puisque le Kamehameha veut pas se faire, on va jouer sans le Kamehameha. Putain, mec! Ah, il change! Ah bah, c'est comme tu veux. Bah, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça... Puisque c'est comme ça, mon gars... What?
moi il s'est tout pris dans la gueule, mec. Oh là, il a pris cher. Salaud. Allez, plus que Sauzer. Ils mettent cher quand même, hein, les deux là ensemble. Sans le Super Saiyan, on serait dans la merde, hein, clairement. Allez, c'est bon, c'est terminé. Il nous a quand même mis un peu de difficulté, je trouve. Mais c'est sympa, c'est sympa. Frère de Freezer, soldat de couleur. Donc on débloque... Bah, couleur et Sauzer, quoi. Enfin, pas tout de suite couleur, vu qu'on va encore l'affronter sous une autre forme. En Pan Saiyan, les blessures de Sangoku n'ont fait que le renforcer. Sauzer ne peut tenir tête à Sangoku au grand dame de couleur. Dame! Sangoku est surpris par l'annonce de la transformation de couleur. Quelle forme va-t-il revêtir? En vrai, sa deuxième forme, elle est classe, quand même. Ouais, elle est classe. Il est pas super fort, mais classe. Allez, pas le temps de perdre, pas de temps à perdre. Pas le temps de niaiser. 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 Kyūkyoku no heishin o yokoku suru kura ni gokkoui ni omou ga ii. Yeah. Ok. Allez, on commence tranquillou. On va essayer de le battre juste avec un seul perso, mais à mon avis, il va être balèze. Forme finale. C'est le dernier combat du chapitre, j'imagine. Quand il y a la musique, il y a toujours une musique bien particulière à la fin du chapitre. Ah bah oui, bah c'est sûr que si t'es pas dans mon champ de vision, mec. Ok. Maintenant, ça va devenir intéressant. Tiens, un bâtard. Ok. Putain, comment ça se fait qu'il gagne, wesh? C'est un robot, il a pas d'endurance. C'est quand même short de le battre juste avec un seul perso, hein. Clairement. Allez, c'est bon. Le Sangoku, il a fait le taf. Extrêmement fort, MD. Son métal, ah ça c'est comme couleur, justement. Ah oui, il revient en métal couleur, c'est ça? Il y en aura plusieurs des copies de lui, en fait. Ah ouais? Ils sont extrêmement faibles. Mais ça doit être un autre film, ça, non, je crois? C'est une insurrection de couleur, un truc comme ça. Kura no kyūkyoku henshin wa Freeza o kuete ita. Freeza doyo
Goku を見逃した自分の甘さを悔やむクーラ。圧倒的パワーを見せつける悟空はクーラを完全に消滅させるのであった。みんな、オラやったぞ。こうして Z 戦士たちの活躍により地球は再び平穏を取り戻したのである。ニケル。Eh bien, on avance assez bien, hein, je trouve. Hein. On a combien de pourcents, juste pour voir ? Il est 25. C'est vraiment pas important pour l'histoire. Donc. 27%. Ah, ouais. Ah, voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, nous suivre sur Twitter si ça vous fait plaisir. En attendant, on vous dit bye, le people. Good night. Ciao.